pour la vidéo des emprunts numéro 3, il me semble. Donc mes emprunts à la bibliothèque, aujourd'hui quasiment que des nouveautés, que des trucs vraiment bons et une suite. Donc on commence tout de suite avec un seinen. En seinen, je me suis pris Poison City de Tetsuya Tsutsui, donc c'est chez Kiyun. Donc le tome 1, j'ai le tome 2 qui est arrivé hier. Donc j'irai chercher demain, bon je vous le présente pas parce que voilà, je voulais vraiment tourner cette vidéo aujourd'hui. Donc là c'est la version normale, il faut savoir qu'il existe une version grand format en fait dans la collection Latitude de Kiyun qui est des beaucoup plus gros formats. J'en ai un juste après à vous présenter donc vous verrez vraiment la différence. Donc au niveau de l'histoire, je l'ai pas encore lu, j'attendais d'avoir les deux pour pouvoir vraiment me les lire à la suite. Donc j'ai juste lu le résumé, donc Tokyo en 2019. Ils accueillent les Jeux Olympiques et décident un peu de faire place nette au niveau des moyens d'expression pour qu'il n'y ait pas de trucs un peu bizarres, violents, trucs, enfin, de la mauvaise image entre guillemets. Et on va suivre Mikio Ibino, un jeune auteur de 32 ans qui décide de se lancer dans un manga ultra réaliste, horreur, donc Dark Walker. Et du coup, bah, forcément, vu que le Japon est en mode censure, ça va forcément pas plaire. Donc c'est par l'auteur de Prophétie de Manhol. Je n'ai lu aucun des deux mais Prophétie m'intéresse beaucoup. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu au niveau des dessins. C'est pas un type de dessin que je lis d'habitude. C'est vraiment, vraiment que le thème soit sympa pour m'attirer dans ces dessins comme ceci. Hop, je vais vous montrer d'autres images. Après, moi je les connais pas hein, ces images là, j'ai vraiment pas encore ouvert le manga, je voulais vraiment avoir les deux tomes. Donc voilà. Ensuite un shoujo, Last Note de Kanoko Karurakuji, donc aux éditions Pika, donc par l'auteur de Blackbird. C'est un shoujo qui se terminera en 3 tomes. Je ne le savais même pas, je l'ai appris vu qu'il s'est marqué au dos de couverture. J'aurais peut-être pris, j'aurais peut-être acheté si j'avais su, ce ne serait que 3 tomes. Mais bon c'est pas grave, je vais lire à la bibliothèque si vraiment il me surkiffe. Voilà. Donc là non plus j'ai pas lu énormément, j'ai juste lu un chapitre de présentation sur le site de Pika. Donc je sais que c'est une boutique donc, que tiennent les deux garçons et ils peuvent acheter, enfin les gens viennent acheter dans cette boutique, ça s'appelle l'encens des âmes. Il paraît que quand on le fait brûler on voit l'âme d'un défunt et on peut lui parler un petit peu de ses dernières paroles. Et l'héroïne je sais pas trop, il me semble qu'elle a... qu'elle est conduite dans cette boutique mais je n'en sais pas plus, je ne l'ai pas encore commencé, j'ai beaucoup trop de trucs à lire en ce moment, c'est hallucinant. J'espère juste ne pas rester sur ma faim. Donc les deux premiers tomes sont sortis, le troisième, aucune idée de quand il sort par contre, ça va pas du tout. Donc voilà, donc je pense qu'il sortira courant avril, mais je pense qu'en mai ce sera clairement fini. Donc voilà pour cette petite série. Ensuite un shonen qui se finira lui aussi en 3 tomes, il s'agit de Omega Alien Megalo sous contrôle. Celui-là c'est le seul que j'ai fini dans les nouveautés. Donc chez Kaze de Tomio Oda, voilà. Donc c'est une petite nouveauté, le titre m'avait fait un peu... avait l'air sympa, donc c'est vrai que j'ai hésité un petit peu à me le prendre et puis j'avais déjà acheté des séries, des nouvelles séries, donc je me suis dit que non. Alors hop, j'ai essayé de vous montrer l'image en entière. Donc en fait pour l'histoire, donc Omega, donc la ligne que vous voyez sur la couverture, vient envahir la Terre, donc il a déjà détruit plusieurs planètes, donc son vaisseau tombe dans une espèce de station thermale où il y a notre héroïne qui se nomme Shio Oshino, que tout le monde prend pour un racaille alors que c'est une fille très gentille, voyons. Et donc il a pour projet de détruire la Terre et tout ça, et un autre extraterrestre débarque et on suit un combat un peu chelou. Et l'extraterrestre va lui coller une espèce de petite antenne là sur la tête. Et cette antenne en fait reliée à un joystick, donc voilà, que vous pouvez voir un peu dans le titre ici, va contrôler. Si vous appuyez sur l'étoile au milieu, il va passer à la puissance d'un mollusque, littéralement un 0,2, en humain c'est un 2, donc c'est un mollusque quoi. Et donc c'est Shin-ho qui va garder ses commandes et donc qui va un peu le contrôler puisque tant qu'il ne récupère pas le joystick, il ne peut pas récupérer ses pouvoirs et détruire la planète et tout ça. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome. On passe ensuite à un seinen. Alors là, donc Les Enfants de la Baleine de Abi Umeda. Donc par contre là, Glena, la meilleure idée du monde de mettre un texte marron dans les cheveux marrons.
Merci beaucoup pour cette idée lumineuse. Donc pour là, ça, pour les enfants de la baleine, je peux absolument rien vous dire au niveau du résumé parce que là, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a un peu des histoires de pouvoir, qu'ils habitent à côté de la mer. Mais c'est tout. Je voulais montrer des images d'Omega, mais tant pis. C'est tout, voilà, je me suis... C'est vraiment la couverture qui m'a beaucoup intéressée quand je l'ai vu quitter la bibliothèque, et ben je me suis dit, je vais en profiter. Hop, je vais vous montrer quand même rapidement des petites images, des graphismes d'Omega. Voilà, j'espère que ce sera pas trop fou, comme d'habitude. Ah, je l'aime bien. Non, en fait j'aime bien cette scène et puis j'ai vu qu'elle spoilait un petit peu trop quand même, donc celle-là aussi. Oh, allez, on va taper dans le début, voilà. Comme ça, il n'y aura pas de spoil sur ce tome. Ensuite, on passe à la dernière nouveauté et pas des moindres. Il s'agit de Underwater. Donc ça, c'est une édition Latitude. Donc pour vous comparer à Poison City, vous imaginez que le Poison City en édition Latitude est vraiment super bien. Donc Underwater, donc aux éditions Kiyun Latitude, d'ailleurs il fait comme ça, hein, voilà, je sais pas comment je le mets moi, mais... donc de Yuki Uchibara, donc voilà, donc je ne sais pas trop le genre, il me semble que c'est un seinen. Voilà, donc il m'avait beaucoup intéressée, j'avais adoré les couvertures, mais le prix m'avait littéralement freiné. Et quand je l'ai mis au texte, j'ai fait une danse de la joie, vous pouvez pas comprendre, mais... Voilà, donc au niveau des graphismes, c'est pas un truc que je lis habituellement, mais je pense que je vais assez vite m'y faire parce que c'est quand même joli. Voilà. Donc pour ceux qui qui l'ont ou qui le voient en magasin, il y a un peu des reflets sur la couverture, des marques, tout ça. Donc il y en a aussi derrière, mais c'est vrai que ça se voit pas trop, surtout sous plastique. Et on passe à la seule suite tout simplement de ces emprunts. Il s'agit donc du tome 4 de Un drôle de père de Yumi Unita aux éditions Delcourt. Si vous n'avez pas vu passer le tome 3, vous inquiétez pas. Je l'ai lu directement en bibliothèque donc je ne l'ai pas réemprunté. Alors autant ces tomes-là sont vraiment dans un état pas terrible. Hein. Des fois j'ai l'impression que les pages vont limite partir pendant que je lis. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire, donc moi j'ai retenu que le prénom de la petite fille bien sûr, comme d'habitude. Donc Rin en fait c'est son... En fait donc son grand-père à lui a eu une fille, c'est Rin, et c'est lui qui va l'élever parce que personne de sa famille ne veut l'élever, donc voilà. Donc il va découvrir ce que c'est d'être parent, changer ses horaires quand elle est malade, quand elle a ses affaires d'école, enfin plein de choses, et c'est vraiment super sympa. Alors voilà, ce emprunt est fini. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire, je ne ferai pas de vidéo présentation manga sur les trois quarts de manga que je viens de vous présenter. Tout simplement parce que Poison City, je vais faire une présentation, enfin je pense que quand j'aurai les deux, peut-être que je ferai vraiment un truc dessus, je ne sais pas. Mais principalement, je vais surtout vous faire un emprunt bilan, je pense. Vu que beaucoup, par exemple, Underwater c'est en deux tomes, Last Note en 3, Omega en 3 aussi. Voilà, donc c'est vrai que je ne vais pas faire des vidéos de présentation alors que je sais qu'il n'y a que 2 ou 3 tomes derrière. Donc voilà, je vous ferai un emprunt bilan la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça dépendra la vitesse à laquelle je lis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'ai l'impression de plus avoir de souffle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à me suivre sur Twitter, à me suivre sur mon blog aussi que je vais vraiment commencer à m'y mettre cette semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao !